done so much for me. I cannot tell it all. What shall I render to Jehovah? L'heure a sonné, nous allons écouter la parole de Dieu. Écoute-moi très bien. L'heure a sonné, tu vas ouvrir ton oreille et écouter la parole de Dieu. Et je crois que l'Esprit de Dieu va ouvrir ton entendement par rapport à la prédication. Et ça va changer la vie de certains. Celui qui croit à la parole de Dieu. Quiconque croit à la parole de Dieu. La parole de Dieu a plus de puissance que l'âme de Dieu. La parole de Dieu est plus puissante que l'âme de Dieu. Quiconque accepte la parole de Dieu comme Dieu et ne se laisse pas à la distraction, Dieu à travers la parole va changer quelque chose dans ta vie. Et à travers la parole, ta vie sera transformée. Ta vie va changer. Tu ne seras plus l'ancienne personne, mais tu deviendras une nouvelle personne. Si tu crois, réponds amen. Cela s'accomplit dans ta vie. Ok. Le thème de la prédication de ce matin, la puissance de l'action de grâce. La puissance de l'action de grâce. Nous allons vous enseigner sur l'action de grâce. L'action de grâce est très important pour tout enfant de Dieu. Quelqu'un me suit. Fais face à ton voisin et dis-lui qu'il faut qu'en tout temps tu fasses l'action de grâce. En tout temps tu dois faire l'action de grâce. Tu dois faire l'action de grâce en toutes choses. Donc il y a la puissance de l'action de grâce pour tout enfant de Dieu. Nous sommes à un moment et tout chrétien est devenu demandeur, quémandeur. En tout moment, Dieu donne-moi. Dieu donne-moi. Dieu guérit-moi. Dieu bénit-moi. Dieu arrange-moi. Dieu tue les sorciers pour moi. Dieu donne. Tout enfant de Dieu est devenu ainsi. Mais ce qui est important, ce qui est véritable, ce qui est original et qui pousse sa fumée vers le trône de Dieu, c'est l'action de grâce. L'action de grâce pour son foyer. Action de grâce pour la vie que l'on a. Action de grâce pour ton travail. Action de grâce pour ton commerce. Action de grâce pour l'enfant que Dieu t'a donné. Action de grâce pour ton aller et ton retour. Action de grâce pour le souffle de Dieu qui demeure dans ta vie. Action de grâce pour la bénédiction que Dieu nous a donnée. Tout ce que Dieu nous donne ne nous appartient pas, mais cela appartient à Dieu. La vie que tu as n'est pas pour toi. Mais c'est la vie de Dieu. Mais là, de quoi? Les gens sont riches et ont adoré Dieu plus que toi. Mais ils ne sont pas vivants. Est-ce que nous nous je suis en train de dire la vérité à quelqu'un. Nous nous je dis la vérité à quelqu'un. Mais là de quoi? Il y a des gens qui sont plus riches. Bon, et ont prié plus que toi. Bon, et sont meilleurs à toi. Bon, sont plus fidèles que toi. Bon, c'est ton ont été plus obéissants que toi. Bon, et ont
Travaille pour l'œuvre de Dieu plus que toi. Boda misisa. Et ils ont l'onction. Mais ils ne sont pas vivants. Quelqu'un me suit. Quelqu'un m'entend. Quelqu'un me suit. La vie que nous avons. Il faudra que nous en fassions une action de grâce. Qu'appelle-t-on action de grâce? Aujourd'hui, il y a différentes manières de faire l'action de grâce. Mais nous avons choisi une bonne part pour nous. Écoutez très bien. Beaucoup de personnes ont choisi de faire l'action de grâce à travers seulement leur bouche. Jésus te rend grâce. C'est une action de grâce. Mais ce n'est pas une action de grâce encore. Ce que Dieu a fait. Ce que Dieu a fait. Ce que Dieu a opéré dans ta vie. Tu vas prendre un sacrifice. Qui est digne. Qui te sera cher. Et le présenter à Dieu. Voilà la grande action de grâce devant Dieu. Tout panier peut dire Jésus merci. Tout païen peut dire Jésus, je te rends grâce. Les animaux le disent dans les oiseaux le disent aussi. Ce que toi tu dois faire pour être différent de ceux-là, tu vas monter un autel de sacrifice. Tu vas monter un autel de sacrifice. Et être reconnaissant à Dieu par rapport à ses bienfaits. Car la vie que tu as, l'enfant qu'il t'a donné, la voiture qu'il t'a donné, la moto qu'il t'a donné, la maison qu'il t'a donné, ton aller et ton retour. Les gens ne sont pas sont meilleurs que toi, mais ils n'en ont pas trouvé. Ils sont mieux que toi, mais ils n'en ont pas trouvé. Ils ont jeûné. Ils n'ont pas trouvé. Ils ont la parole de Dieu. Ils sont intellectuels. Ils ont voyagé pour prier. Ils ont pris des votes pour aller prier. Mais ils n'ont pas trouvé. Actuellement, il y a des gens sur les lits d'hôpitaux. Ils sont mieux que toi. Ils sont fidèles que toi. Ils sont obéissants plus que toi. Ils ont de l'argent. Malgré cela, le souffle est fini. Donc l'action de grâce qui est important, qui est mieux et qui est meilleur qu'il y a de présence. C'est ça que je vais t'enseigner. Écoutez-moi. Il y a beaucoup de paille au marché. Mais tous les pailles n'ont pas le même prix. Ils peuvent avoir les mêmes couleurs. Ils peuvent avoir les mêmes dessins. Si à la même personne, mais si tu portes après lavage, c'est ça, tu sauras quel type de paille tu as. Quelqu'un me comprend? Toi qui nous suis sur Facebook, Support TV, ce qui est un sacrifice, qui est l'action de grâce, qui est digne, qui est important, qui va vers Dieu. Ce qui t'est cher, tu le donnes à Dieu. Ce qui t'est cher, la seule chose qui te reste, Abraham a rendu grâce à Dieu. Et il a pris son fils unique pour donner. Dieu a tant aimé le monde qui nous a fait l'action de grâce. Et il a donné son fils unique. Son fils qu'il a donné, c'est l'action de grâce qu'il le fait. C'est difficile. C'est difficile. Mais pour arranger le monde, pour apprêter le monde, pour vous montrer comment on fait l'action de grâce, lui-même a remis ce qui est pour lui. Qu'est-ce que toi tu as donné qui t'est cher? Voilà que l'année tire à sa fin. Beaucoup de personnes au milieu de nous et ne savent pas faire une action de grâce à Dieu pour la fin de l'année. 365 jours. Secondes, les heures, les minutes que ça compte. Qui sont dans l'année. Toutes ces ceux-là portent des pleurs. Portent des épreuves. Font pleurer. Mais ne mêlent pas beaucoup. Les gens auprès des gens meurent. Avec des maladies dont on ne peut pas appeler même le nom. Mais beaucoup de personnes.
Leur vie c'est fini. Mais toi tu vois la nuit qui vient et tu rentres déjà dans l'année. Que peux-tu faire pour réjouir le corps de Dieu? Est-ce la part que tu vas préparer que Dieu va manger? Non. La voiture que tu vas lui acheter. Non. Que vas-tu faire? Tu vas faire un sacrifice. Tu vas faire un don. Qui va te faire mal? C'est ça l'action de grâce à Dieu. Ce n'est pas seulement l'action de grâce dans la bouche. Combien de temps on prend pour faire l'action de grâce dans la bouche? Dans certaines églises. Quand la main de l'homme de Dieu les touche, ils sont tombés sur relève. Merci Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, merci. Thank you Jesus. Merci Jésus. Thank you Jesus. Merci Jésus. Ils ont dit ça. Ils le voient par l'homme et voient Jésus. Ils ont rendu grâce à Dieu. Mais toutes ces actions de grâce. Ce qui est important, c'est ce qu'on vient présenter devant le peuple de Dieu. Dis, je rends grâce. On se rapproche de l'homme de Dieu. Donc, c'est une action de grâce pour ma famille. On fait l'action de grâce pour l'école des enfants. Combien d'enfants sont allés à l'école chez toi? Mais on les a pas volés. Ils n'ont pas été kidnappés. Personne, rien n'est arrivé à tes enfants. Et l'année est finie et les enfants ont fini l'année. Tu as dit Jésus, je te dis merci. Cela ne va pas pousser de fumée. Tu n'as rien dit. Ce que Dieu t'a fait, tu vas démontrer l'action. C'est la démonstration qu'on appelle action de grâce. L'action. C'est l'action qu'on appelle action de grâce. L'action de grâce. C'est l'action que tu fais. C'est l'action. L'action que tu fais. Beaucoup de personnes ont croisé les bras et attendent que Dieu fasse tout. Si tu fais l'action de grâce à Dieu, à tout moment Dieu se fâche et il fait encore davantage. Écoutez-moi bien. Jésus a guéri 10 lépreux. Il a guéri 10 lépreux. Et une seule personne est revenue. Un seul est revenu. Et il dit, mais où sont les 9 autres? S'il n'aime pas l'action de grâce, va-t-il demander mais où sont les 9 autres? Quand Dieu nous fait un bienfait, nous avons encore fait face à Dieu et lui dit merci pour donner l'opportunité à d'autres miracles de venir et donner l'opportunité à d'autres miracles de venir. J'ai un ami. Et ici, il a 22 ans de Jésus. Il a reçu le Seigneur, il avait 22 ans. Il a tout fait pour la prospérité en vain. Il fait des efforts, il travaille en vain. Et nous jeûnons 14 jours. Il jeûne 14 jours pour prospérer. Il a tout fait, mais il n'en a pas eu. Un jour, il a fait quelque chose. C'est ça que je veux te dire. Dans sa vie, il a acheté 3 parcelles. Donc, pour mettre sous des dix. Une sur laquelle il est lui-même. Bon, oui. Il en a acheté 2. Il a clôturé, il a laissé ici. Et cette parcelle qu'il a achetée, les 2 qu'il a achetées ont des titres fonciers. Et c'est un notaire qui a fait la convention de vente. Il a beaucoup déposé sur les parcelles. La parcelle sur laquelle il est, il a acheté, il a fait les documents simplement. Il a construit une chambre salon, il est dessus. Donc, et toi, le don. C'est que ce qui est là-bas, qu'il va construire des locations là-bas. Et dans sa retraite, c'est de ça il va jouir. Donc c'est sur ça il s'adossait. Donc 22 ans dans Jésus. 22 ans dans le Seigneur. Il veut que Dieu le bénisse. Qu'il progresse, mais il n'a pas eu. Un jour à la fin d'une année, il a fait une action. Il a dit à Dieu, je vais te faire une action de grâce. Et donner les 2 parcelles à l'église. Si je te les donne, Seigneur, si tu es réellement Dieu, et il y a la puissance dans l'action de grâce, tu vas faire quelque chose de ma vie dans l'année. Et tiens, convention de vente avec moi. Il a pris les conventions de vente des parcelles. Et il est allé auprès de l'homme de Dieu. Et lui a dit, mes maisons qui sont là-bas, bon, que j'ai clôturées, je veux donner ça à l'église. Bon, et l'homme de Dieu dit,
Es-tu sûr que tu vas donner ça à l'église? Tes enfants ne viendront pas réclamer pour ça. Il dit, n'importe quel document qui est nécessaire, on va le faire. Écoutez-moi très bien. Écoutez et agissez selon cela pour voir ce que Dieu fera. Écoutez-moi bien. Si tu ne fais rien, Dieu ne fera rien non plus. Dieu contrôle nos pas. Ce que nous faisons, nous lui disons, il le fait aussi. Quand l'homme de Dieu a parlé, l'homme de Dieu lui a dit, garde la convention. Voici ce que tu vas faire. Quand je suis en train de faire la prédication, cours et apporte les conventions et mets tout sur mes pieds. Ce que tu veux, déclare-le. Quand tu repartiras, ton dos, ce que tu veux tombera sur ton dos. C'est le dos qui garde les charges. C'est pourquoi on met l'enfant au dos. Et de cela tombera sur ton dos. Et il a pris les conventions. Et quand la prédication a commencé, il a couru avec les documents. Est allé au pied de l'homme de Dieu, l'a déposé. Et l'homme de Dieu a dit, ce que tu as déclaré à la maison, avant d'apporter la convention, ça accomplit sur ta vie. Suis ta vie. Et reste sur ton dos. Et il est reparti. Le premier mois, il n'a rien eu. Le deuxième mois, il n'a rien constaté. Le troisième mois, rien non plus. Dans le quatrième mois, quelque chose s'est passé. Il a un ami. L'ami l'a appelé. J'ai trouvé une affaire d'Akadjou. Mais moi je veux voyager. Je veux aller en Europe. Je ne veux pas le faire. Donc, tu vas fournir telle pièce et je vais te prendre ce marché. Bon, et il a choisi les pièces. Et bien, il n'y a pas cru. De beaucoup de millions. Hein. Et il a ramassé les pièces. Mais quand il finit de fournir le dossier, l'autre a pris le dossier. Ça va faire un mois environ avant qu'on t'appelle. Et il a remis les papiers. Ce type a donné les papiers. Il a remis les dossiers. Deux semaines après. Au lieu de moi qu'il avait deux dit. Deux semaines après. On l'a rappelé. Mais non. Ils sont allés au nord. Le marché est confié Bini. Et on lui a confié tout le marché. Et de quoi? Il avait de l'argent. Mon projet ne m'aide de quoi? À travers ce projet, il est devenu riche. Et de quoi? Riche. Bolé à de quoi? Et il est devenu encore riche. Bolé à de quoi? Et il est devenu davantage riche. Aïe, comment a tourné Bloa? C'était ce qu'il avait pour la parcelle. Église dans le Corée à Médaille. L'église était en location. Bolé à le podi. Et était sur une parcelle. Et donc? Il dit. Alokpe. Prophète Alokpe. Né dans Bloa. Ce que je vais faire. Et il y a carré dans ma ouah. Je vais pas donner seulement de parcelle à Dieu. La raison du Bobabi, nous on vit vite. Je vais construire, c'est trop dur. Et donc, vivre vite. Il dit, c'est trop dur. Et donc, moto. Il a un véhicule qu'il conduisait. Il a acheté. Il a acheté des véhicules à sa femme. Il a acheté un troisième véhicule. Et on a mis les enfants à l'école avec lui. Et il a trois chauffeurs lui seul. Écoutez-moi très bien. C'est bon de donner à Dieu. Mais c'est encore mieux de faire l'action de grâce. La seule phase que l'église de Dieu connaît aujourd'hui. On va donner à Dieu. C'est bon. Mais on va faire une action de grâce. C'est pourquoi tu priais. Ce que tu désirais. Dans la vie des enfants. Dans ton foyer. Et tu pries. Et tu ne l'obtiens pas. Laisse la chose et fais une semence qui est digne de ce que tu veux et bien donner ça comme une action de grâce. Ça va provoquer ton miracle. Vous aimez la prière? Vous aimez donner? C'est bon.
Mais quel don donnes-tu? Il y a différentes sortes de dons. Le don qui fait l'action de grâce à Dieu. Je suis malade. Et on veut m'opérer. Et j'ai un problème. J'ai prié fatigué. La seule chose qui te reste, tu vas apporter une semence. Comme action de grâce. Seigneur, je te rends grâce car je suis encore vivant. Amazon, tu seras guéri rapidement. Écoutez-moi très bien. Nous voulons aujourd'hui donner. C'est bon. Mais le don. Il y a différentes sortes de dons. Il y en a différentes sortes. Les offrandes. On prend des actions de grâce. Écoutez-moi. Continuez-vous d'acheter des moutons. Pour les féticheurs. Vous achetez encore des moutons. Continuez de consulter encore. Vous allez encore chez les féticheurs. Vous êtes vivant, n'est-ce pas? Une année entière. Normalement, tu dois aller voir ton féticheur. Et il va te consulter l'oracle pour l'année. Et donc, quand tu es on consulte l'oracle pour l'année. Comment vais-je rester dans l'année? Pour prospérer. Tu achètes mouton, poulet, tout. Tu iras donner et il va préparer manger. Car eux sont secrétaires généraux des sorciers. Leur secrétaire généraux. Démarcheurs à cette toilette. Les démarcheurs des sorciers. C'est à ceux-là on va donner. Si tu es païen, tu peux le faire. Mais le jour où tu connais Christ et tu trouves une année, tu n'as plus de féticheur. L'homme de Dieu est ton prophète. Les hommes de Dieu sont tes prophètes. Sont tes féticheurs maintenant. Sont eux qui plaide ton cas devant Dieu. Donc l'action de grâce qui est dit, c'est à eux tu rebelles. Et cela va aller chez Dieu. Écoutez-moi très bien. Ne soyons pas ingrats devant Dieu. Il y a beaucoup d'ingratitude dans le monde. Ils l'ont fait à Jésus aussi. Il a dit le prêtre, c'est un seul qui est revenu. Cela montre dans l'église, c'est difficile à beaucoup de gens de faire l'action de grâce. L'action de grâce n'est pas danser. Non! Alléluia. Ce n'est pas crier alléluia, j'ai trouvé le mois de janvier. Ce n'est pas l'action de grâce. Mais si tu fais l'action de grâce, tu dois souffrir. Nous allons lire. Si je mens là, nous allons lire ça. Ok. Un chronique. Mais bénissez la Bible. Que tout le monde prenne sa Bible. 1 Chronique 21, verset 21 à 27. 1 Chronique chapitre 21, verset 21 à 27. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Lorsque David arriva auprès d'Onan, Onan regarda et il aperçut David. Onan possède au monde David. Puis il sortit de l'air. Boto si fier de et se prosterna devant David. Boalitaïdo nous con David dit le visage contre terre. Bozé nous commence de chon comme. David dit à Onan. David dit à nous Onan. Cède-moi l'emplacement de l'air que pour que j'y bâtisse un hôtel à l'Éternel. Cède-le-moi contre sa valeur en argent. Afin que la plaie se retire de dessus le peuple. Onan répondit à David. Prends-le. Yi. Et que mon Seigneur le roi fasse à ce qui lui semblera bon. Vois, je donne les bœufs pour l'holocauste. Les chars pour le bois. Et le froment pour l'offrande. Je donne tout cela. Mais le roi David a dit à Onan. Non. Je veux l'acheter contre sa valeur en argent. Car je ne présenterai point à l'Éternel ce qui est à toi.
Et je n'offrirai point un holocauste qui ne me coûte rien. Et David a donné à Onan 600 cycles d'or pour l'emplacement. David a bâti là un hôtel à l'Éternel. Et il a offert des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Il invoqua l'Éternel. Et l'Éternel lui répondit par le feu qui descendit du ciel sur l'autel de l'Holocauste. Alors l'Éternel parla à l'ange qui remit son épée dans le fourreau. Amen. Amen. Acclame la parole de Dieu. Ok, ok. La parole de Dieu est toujours vivante. Le roi David a fait une action. Écoutez-moi très bien et ne l'oubliez jamais. Écoutez bien l'histoire et faites attention. Le roi était assis un jour dans son palais et il s'est levé et il a dit: Joab, toi, le chef de l'armée, viens chez moi. Bon, Joab ou Agonton. Et Joab est venu auprès de lui. Envoie quelqu'un. Alors, c'est maintenant militaire. Ah, il dit: roi, nous nous prosternons. Militaire, là. Nous nous prosternons, hein. Je vais t'envoyer en mission. Tu iras dans toute la ville, le pays tout entier. Et tu iras dans toute la ville ici. Tu iras dans tout le Rwanda Bomé. Et tu me comptes les gens. Et tu viens me faire le point. Kunkan par kunkan. Tribu par tribu. Tu vas les faire tribu par tribu. Bon, Joab, hein? Et Joab dit: roi. C'est Dieu qui fait que le peuple s'accroît, on n'a pas besoin de les compter. Va faire le dénombrement. Comme c'est le roi qui l'a dit, le général de l'armée, Joab, est allé faire le nombre. Quand il a dénombré les hommes, il a fait quelque chose. Il a laissé la tribu de Benjamin de Lévi. Il a laissé ces deux tribus. Et il a dit au roi, il a déjà compté. Et qu'elle a dit au roi, le roi déjà entendu, il a gardé le calme. La Bible dit que Dieu s'est fâché. Pourquoi va-t-il compter mon peuple? Pourquoi compte-t-il mon peuple? Dieu s'est fâché. Et lui a envoyé un prophète. On l'appelle Gad. C'est un voyant. Dans l'Ancien Testament, on ne dit pas prophète, on dit voyant. Le voyant. Et c'est voix de l'Éternel pour toi. Voici ce que l'Éternel dit. Ce que tu viens de faire, et tu as dénombré le peuple, je suis fâché. Il va te punir. Pour te punir, je vais te présenter trois choses. Et ces trois choses, tu vas faire un choix, je vais te punir avec ce châtiment-là. Si Dieu vient chez toi et dit qu'il va te présenter trois châtiments, voyez-vous. Un prophète, un faux prophète. Ah, ça, c'est un faux prophète, hein. Je vais me châtier, c'est lui là choisi. Écoutez-moi bien ceux qui nous suivent. Les trois choses que Dieu a proposées, nous allons voir ce que vous allez choisir. Dieu a dit premièrement, trois années pour la famine dans le peuple. Il n'y aura pas à manger. Il n'y aura pas à manger. Trois années de famine. C'est le premier châtiment dont Dieu a parlé. Deuxième proposition de Dieu. Trois mois. Et pendant ces trois mois, tes ennemis vont te pourchasser. Vont te flécher, tuer. C'est dans la parole de Dieu. Nous allons l'entendre. Dénombrement. Même. Verset 11. Gad alla vers David. David, ainsi parle l'Éternel. L'aide à mon Dieu. Accepte
ou trois années de famine. Ou 3 mois pendant lesquels tu seras détruit par tes adversaires. Alors et atteint par l'épée de tes ennemis. Ou 3 jours pendant lesquels l'épée de l'Éternel et la paix seront dans le pays et dans le pays. Alors et l'ange de l'Éternel portera la destruction dans tout Amen. Le territoire d'Israël. Israël si to gon bimen. Monsieur, vous avez entendu? C'est pas moi qui l'ai dit. Oui, attends, donne-moi. 3 ans pour la famine. Ou 3 mois. Il sera persécuté par les ennemis. Les sorciers de ta maison vont te flécher. Ça rentre dans ton corps. Ou bien 3 jours seulement. Dieu va envoyer l'ange pour détruire, pour tuer. On va écraser. Quel serait ton choix? Non, je veux un homme et une femme. Oui, monsieur. Micro. Je ne choisis rien. Tu es obligé de choisir. Tu es obligé parce que c'est Dieu qui a parlé. Dieu a parlé, donc c'est un choix que tu dois faire. Donc tu veux être rebelle à Dieu. Tu peux te rebeller par rapport à Dieu ainsi. Vraiment, c'est. En tout cas, nous attendons les débouillons. Bon, n'est-ce qu'un chien, bon, dialogue. Mais comment peut-on choisir okay. Une femme pour répondre. Yonopo. Une femme pour répondre. Ah, mémé, Rundjo. Il y a Zanton. Zanton. Tu vas choisir 3 jours. C'est quoi Jésus? Acclame Jésus. Ok. Donne tel tout. Pourquoi? Dieu a dit 3 ans de famine. 3 mois de destruction massive par les ennemis. Et maintenant il dit 3 jours. Bon, on s'est agonablé en même temps. Et l'ange va descendre pour tuer. David a dit des mémés a choisi quoi? David a choisi tel que la mémé a choisi. Non, moi aussi des messieurs de banane, pas autant. Dieu ne peut pas envoyer quelqu'un qui va refuser tout ce qu'il a dit. Donc, il choisit à 100 ans. Il a choisi 3 jours. Bon, on s'est agonablé en même temps. Et l'ange de Dieu viendra tuer. Mais notre ami Gandhi. Écoutez-moi bien. Mais tout David choisit à 100 ans. C'est pourquoi il a choisi les 3 jours. Parce que Il est là, Bible a mis des quoi minara. Avec la maison, vous allez lire. Il est là, town dog. Il s'est dit. Le roi de nous est mal dehors. Le combat que Dieu est devant le combat. Mais laissez-moi yablo. Et c'est lui qui fait le combat. Et là, nous blâmons comment on se croit dans la jodo. Sa miséricorde est grande, il va abandonner. Amen. Misia. Vous avez entendu? Alors, moi aussi nous blâmons comment on se croit. La miséricorde de Dieu est grande. Compassion. La compassion de Dieu est grande. Compassion ton se croit. Sa compassion est grande. Nous n'avons pas ça nous tendir ouais. Si c'est son ange qui va envoyer. Et là, comme là nous t'aurons. Il aura compassion du peuple. Bon, nous voilà. Réellement? À 100 ans. 3 jours. Mais là, j'ai couru Dieu Israël. Les gens mouraient en Israël. Et j'ai couru Dieu. Les gens mouraient. Sans en remettre pas la tuer. En tout temps, il n'y a que des morts. Bon, les gens mouraient. Les gens mouraient. Bon, David doit citer. Et David s'est levé. Bon, il a vu l'ange avec l'épée. Ouais, j'ai dit. Il a eu peur. Et là, il dit, ah. Donc l'ange est à l'œuvre. Il y avait un homme dans le pays qu'on appelait Orna. C'est un cultivateur qui a beaucoup de moissons. Et il a son champ, il reste. Et quand l'ange était en train de vrai, lui il a vu l'ange avec l'épée. Mais bien de moi. C'est pas tout le monde qui voyait. Mais il a vu l'ange avec l'épée, les yeux bien rouges. Et ses enfants lui ont vu. Bible a mis des vilainement. Quand les enfants ont vu, ils ont couru pour se cacher. Bon, on a des quand on a vu, Elitaï, il s'est prosterné. Bon, moi, je vois de David. Et Dieu a dit quelque chose à David. Non, David est souhait. C'est pas David lui-même. Mais moi, ouais. Mais Dieu. David doit bon caca bouddha. David a regardé, il a dit. Mais le peuple n'a rien fait, Dieu. C'est moi qui t'ai offensé. S'il y a un sentiment que le châtiment soit pour moi, et laisse les innocents. Il ne savait pas. Miséricorde Seigneur. Et là, il lui a dit une chose. Va faire une action de grâce.
Va faire une action de grâce. Ouais, toku. Va faire une action de grâce. Ouais, là, il n'a pas dit va prier. Eh, oh, il a dit la Bible. Il n'a pas d'ailleurs la Bible. Il a dit confesser verset. Il a pas de confesser les versets. Ouais, toku. Va faire une action de grâce. On toku et on, il lui a dit comment il va faire l'action de David grâce. David dit quand est-ce? David a couru. Ouais, il y a mis ton clésier. Et il est allé vers le cultivateur en a. Ben, il a dit nous comptons fond. Et lui, il était là, il faisait le froment. Et mon David yo. Quand il a vu David. Et alors, c'est maintenant l'Italie. Il dit roi, je me prosterne. L'Italie, je me prosterne. Ben, reçois quand c'est moi. Est-ce que c'est pour une bonne nouvelle que le roi avait appris le soleil. Car le roi ne soit pas comme ça. Quand il vient chez toi, tu as une bénédiction. Donc le roi ne soit pas comme ça. Et voilà, il est venu dans sa brousse là. Il lui peur. On a ses postes. Je veux ta parcelle. Pour faire un hôtel dessus. Pour faire une action de grâce. Et le malheur va s'arrêter dans le pays. Quand le roi dit ça, écoutez bien la réponse de Orna. Orna ken mo dohode. Il a répondu. Orna do. Il dit. Semendo. Roi. Unzek ma bonawi. Je te donne la parcelle. Unnawi akuma. Je te donne la parcelle. Bodo je mna wanawi sokete kete. Je te donne encore des bœufs. Bana savona. Tu vas faire le cos avec. Bana no wan keke. Je te donne des chars. Bana savona. Tu vas faire le locos. Bana nawi naki. Je te donne encore des bois. Bana ndo savona. Pour faire le sacrifice. Semendo we ba di ndo bi. Tout ce que tu veux, j'en ai. Nana binoué. Je vais te donner. David dit pao. David dit non, hein. Si nan une weton maoua. Je ne peux pas offrir ce qui t'appartient en holocauste à Dieu. Et puis maou vit quelque. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui. Nous ne mérite pas ton sang maou. C'est ce qui est pour autrui, il donne à Dieu. Nous ne comprenons pas ton sang maou. Ce qui est gâté, c'est ça il donne à Dieu. Quoi quand ou l'olé, ou l'olé. Les pièces déjà tordues, c'est ça il donne à Dieu. À quoi vous voulez, ou l'olé nan maou. C'est les billets déchirés qu'on donne à Dieu. Nous ne comprenons pas ton sang maou. Les nourritures qui sont déjà gâtées, c'est ça il donne à l'homme de Dieu. Benia. C'est une vie ça. Benia. C'est une vie ça. David, eh oh. David dit non. Ouais, ce qui t'a apporté, tu peux pas l'offrir à Dieu. Ne crois quoi? Ce qui est important. Tu vas me vendre la parcelle à son prix. Donne-moi un patron dans lequel vari. Très cher. Ouais, j'ai rendu comme moi, j'ai un mauvais ni varia. Tu veux déjà acheter quelque chose pour donner à Dieu? Tu vas dire que ça coûte cher. Aïe, qui en met un? Elle en a bien. Quand madame dit ça, ça coûte trop bien. Pipi, tu en as un mis ça? Elle en a bien ça. C'est à combien pour ça? Et au pipi, tu là? Ça là? 110 000 mais. À 110 000. Et là, pipi, tu en as mis ça? Vous en avez ceci à combien? 6 000. C'est à 6 000. Dévoulez, pourquoi vous 6 000 là? Il y en a de moins cher que 6 000. À Tino. En bois là, en bois là. Dévoulez, à Tino. Mais ça, Vernis, d'où? A mis ça en Jaïna. Vernis, c'est ça, je vais donner ça à l'église. Donc, mais à quoi tu as perdu des bounets? Dis à ton voisin, ce n'est pas une vie ça. David, on est fario. David dit ce qui est cher. Alors, je ne veux pas de ton don. C'est pas ce qui t'appartient que je vais donner à Dieu. Moi, c'est nous mettre votre bonheur maou. Si tu prends ce qui appartient à autrui, tu l'offres à Dieu. Pour bénir Dieu ne te bénira pas, mais il va bénir celui à qui la chose appartient. Car cela ne t'appartient pas. Moi, quoi, merci. Si tu prends l'argent chez quelqu'un. Nami. Donne-moi. Pour que je donne à l'église. Tu lui dis, viens, Dieu va te bénir, je vais te laisser comme ça. 2021. En 2021. Plus ça, jamais. Jamais plus ça. Amen. Mais moi. N'allons plus voir ça. Des petits jusqu'au grand, tous seront bénis. Alors, mettons, j'ai une bénie. Tout ce que votre main va toucher sera béni. Non, debout là, mettons, tout ce que vous allez toucher sera béni. Salaire, alors, y'a déjà un. Tu vas recevoir le même salaire. Alors, il salaire, toi. Tu vas prendre ton salaire. Mais l'idée, vous n'allez pas prendre comme la porte. L'argent viendra par là. Il aura de quoi causer là, il nous voit. Tu t'appeler pour dire l'argent, il a déposé des points. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Non, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Écoutez-moi bien. Nous ne croyons pas au. Quand on a de l'argent, on ne coupe pas derrière les petites sommes. Et on va virer ça là dans ton compte. On va virer ton salaire dans ton compte. Le virement est déjà fait. Moi, oui, quoi, non, écoute-le. Deuxième, on va dire le virement est. Moi, ton gars, écoute-le, écoute-le. Le virement a été fait le troisième mois. Bon, voilà, il y a ça, mais là, ouais, quand ça y quoi. Toi, tu ne prends pas soit ton salaire. C'est pas encore le temps pour ça. Si tu ne peux pas aller faire le rang pour prendre ça là. On a yé néo. Pour prendre ça. Tu es dans ton tchèdien. C'est pour moi, ça reste là. Anasanu. Tu vas vendre. Bransanu. Tu vas vendre. Bransanu. Encore vendre. Bransanu. Encore vendre. Kakamna, on croit que tu vas même oublier de l'argent dans ton sac.
On prophétise en niment. Que cela soit ainsi. Niment. Soit ainsi. Niment. Ça soit ainsi. Niment. Ça soit ainsi. Que Jésus est comme. Au nom de Jésus. Tijani. Assieds-toi. David dit à nous Orna. David dit à Orna. Akosuman. Orna. Nanaoui. Roi, il va te faire le don. Nanaoui. Va te donner ça. David dit, hey, oh, David dit non. Nous n'avons pas ton moyen en Mawa. Ce n'est pas ce qui t'a pas donné offrir à Anna Dieu. Saï, tu vas me vendre la passe. Ben avoir vari Gandhi. Plus cher. Anna vari Gandhi. Très cher. Non, mais quoi quoi. Car ce qui est important. Ouais, na Mawa. C'est ça d'avoir offrir à Dieu. Bon, mais c'est le roi maintenant qui est ça 600 cycles d'argent. 600 cycles d'or. Hein, si cassé, ouais, les quoi d'eau. On l'a converti en or. Donc, écoute, c'est des milliards. Donc, si c'était aujourd'hui, c'est des milliards. C'est avec ça qu'il a acheté. Et quoi, comment? Il a acheté la parcelle. Et a établi l'hôtel dessus. Il était roi. Hein? Il devait prendre une parcelle d'autrui et faire l'hôtel dessus. Et bleu-moi. Il n'a pas acheté. Il a acheté. On a dit, il a dit non. Il veut faire une action de grâce. Ça doit être cher. Mais vari. Et c'était cher. Mais content. Il a acheté. Et ça va. Il a fait le sacrifice. Bible a mis le délai et ça va, Léo. Quand il a fait le sacrifice. Bible a dit ça, pour ça, toi, il dit romain. Que c'est allé vers Dieu. Et dit ça encore. Et quand c'est allé vers Dieu. Oui, ça, moi, mais où le vivre, il est gagné. L'ange qui était content de tuer. Deux, il a son besoin, il y en a. C'est sa mission. Et là, il y a un besoin dans la Bible. Il doit faire ce qu'on lui a envoyé faire. Nous, maman, on est aussi dans la Bible. Si on lui dit pas stop, il peut tuer tout le monde, hein. Donc, comme lui était à l'œuvre. Parce qu'une fumée est allée dans le ciel. Quand Dieu l'a vu. Quand il a vu. Savez-vous ce qu'il a fait? Il dit à l'ange, stop, c'est bon. Bon, et l'ange a pris son épée. Et l'a mis dans la fourrure. Et il est parti. Bon, Israël, et il y avait la paix en Israël. Bien-aimé dans le Seigneur. Écoutez-moi très bien. Cessez de battre du vent. Écoutez-moi bien. L'action de grâce est capitale pour tout le monde. Surtout au moment difficile. Au moment où la prière n'est pas accomplie. Au moment de l'épreuve. Faites une action de grâce. C'est un pas qui provoque le miracle. Église francophone. Les églises francophones aujourd'hui. Nous, les églises francophones. Ce que nous avons fait. C'est quoi? Fire. Feu. Fire. Feu. Feu. On laisse le feu. Personne ne le fera dans le pays. Mais bien au coup. Je m'en serais mort. Est-ce que tu es fire? Si tu es sur fire. Si tu fais mal agir, on dit feu. Tu veux prendre ton mari, feu. Dis à ton voisin, c'est une vie ça. Benia. C'est pas une vie. Kaka, est-ce que tu es mon quoi ton son? Il a vu son argent, il s'est habillé. Et venu, fire. Ça t'a fait mal, feu. Ma oui. Et Dieu l'a tué. Ma oui. Dieu tue-le. Maunami. Dieu tue-le. Maunami. Dieu donne-moi. Oui. Tue-le. Nami. Donne-moi. Oui. Tue-le. Nami. Donne-moi. C'est la pauvre prière, c'est le mythe là. Les 365 jours. Les 365 jours durant. Faut le quoi? Une année durant. Nami. Donne-moi. Oui. Tue-le. Nami. Donne-moi. Oui. Tue-le. Nami. Donne-moi. Oui. Tue-le. C'est des minocs. C'est vos prières, ça. Toutes choses. Maou. Dieu. Et y a ton cadet. Pour lui seul. Et y a nawasorumi. Il va travailler, il va œuvrer. Vite wa wa wa. Bien. Demisez Maou de biori. C'est ainsi que nous avons placé Dieu aujourd'hui. Maou a dit ton fils. Dieu, assieds-toi là. Maou jite. Dieu, lève-toi. Jidani. Assieds-toi. Jite. Lève-toi. Jidani. Assieds-toi. Jie. Lève-toi. Jidani. Assieds-toi. Jite. Lève-toi. Benedia. C'est une bizarre. Mais lui maintenant, quelle est sa part dans tout ça? Mais on ne veut pas d'action de grâce. Voici l'exemple. Dis-le seulement. Nous allons faire une action de grâce.
En venant, tout le monde. Ce que tu vends là, apporte, on va faire l'action de grâce. Mao François. Et le prophète François là, vraiment. C'est ce que nous vendons, il veut prendre encore maintenant. Hein? Si moi je dis que tu es contre ça, ah, contre moi, tu es déjà contre Dieu. Hein? Jésus vous a dit ça. Dieu que vous ne voyez pas. Vous l'avez vu. Vous dites que vous l'aimez. Et l'homme que vous voyez, vous n'y croyez pas. Tu as déjà rejeté Dieu. Hein? Tu dois obéir à l'homme d'abord. Celui qui parle de Dieu à toi. Avant de rentrer dans la gloire de Dieu. Donne-moi. Oui. Tue-le. Nami. Donne-moi. Oui. Tue-le. Nami. Donne-moi. Prière tous les jours. Ce sont nos prières de tous les jours. Mindia, tu as dit. De Dieu changer. Vous qui nous suivez, changez. Tu peux être païen et faire une action de grâce. Tu peux être païen. Celui qui ne connaît pas Dieu. A besoin d'une église évangélique. Je vais être dans une église évangélique. Même si tu es païen, c'est toi là, mais tu ne vas pas dans l'église. À la fin de l'année, faire une action de grâce. Tu vas trouver un événement, tu dois faire l'action de grâce. Dans le commerce que tu fais. Tu as la maison qui t'a donné. Pour la voiture que tu as achetée. Pour la vie que tu as. Parce que ton foyer est bien important. Ta femme est là. Personne ne te l'a arraché. Ton mari est là. On ne te l'a pas encore arraché. Le grand là s'habille bien. Et l'argent est là. Tu n'as pas encore de co-épouse. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Sois content. La seule souffrance de la femme. Comment faire pour que mon mari demeure pour moi seul? Junior sera pour moi seul. Comment vais-je faire? Léon, comment vais-je faire maintenant? Il soit pour moi seul. François là. François, tu es un ami bien. Mon François, là, tout le monde. Tout le monde voit, tout le monde. Et tout le monde a appelé. Comment vais-je faire pour lui faire prendre soin de lui? Fais une action de grâce pour garder ton âme. Fais une action de grâce. Voilà que la femme est bien potelée. Et les fesses sont bien là. Les fesses sont bien là. Fais une action de grâce. Parce que les fesses tournent bien, mais personne ne l'a encore arraché. Oh, mais quelqu'un me comprend? Mais quelqu'un me suit? Mais le amen, ceux qui me suivent répondent amen. Amen. Ok, ok. Donc je dis la vérité. Donc, nous devons faire l'action de grâce. Nous tous, hein. L'homme de Dieu qui est devant l'église aussi doit faire une action de grâce à Dieu. Jusqu'à la fin de l'année, rien ne s'est passé dans la vie des... Vous avez fait des enterrements. Tous ceux dont personne n'est mort parmi vous. Quelque chose est déjà passé ici. Et on doit faire l'action de grâce à Dieu. Amen. On doit être reconnaissant à Dieu. Car un dévancier n'est pas mort, nous rendons grâce à Dieu. Dans aucun groupe, personne n'est mort. Nous n'avons pas pris par des voies. Il doit avoir un jour d'action de grâce. Maintenant, provoquer un miracle. Pour provoquer notre miracle, l'action de grâce est très importante. Pour tout homme sur la terre, ton aller, ton retour, ton manger, ta boisson. Action de grâce. Fais une action de grâce. Mais nous n'aimons pas. Alors que nous provoquons un miracle. Alors que c'est une puissance qui provoque à la main de Dieu. Fais ça pour voir ce que ça va donner. Fais-le pour voir la réaction de Dieu. L'année tire vers la fin. L'année tire vers la fin. Famille. Chaque famille, chaque maison, chaque foyer, le 31 nous viendra avec l'action de grâce.
pour leur foyer, nous vivons ta main pour leurs enfants, nous y est ta main pour leurs allées, moto des dollars, quelqu'un des dollars, ils ont pris les motos qu'ils ont nous pris, nous faisons déjà, il n'y a pas eu un malheur, et dans tout vers l'action de grâce. Mais là, j'ai beaucoup à dire, quoi, j'ai beaucoup de temps comme la maladie qui a tué les gens, toi tu l'as eu, mais tu es pas, tu es encore vivant. Alia, bon, mais là, j'ai le jour que tu as pris, les gens sont tombés sur le chemin. Le même zem qu'il t'a pris, c'est lui qui a pris l'autre, il est mort. Donc, nous m'aupons faire l'action de grâce. Mais là, le gang doit. Les gens font des efforts pour aller dans leur maison. Mais là, le gant doit font des efforts pour trouver du travail. Mais là, le gant doit font des efforts pour prendre de femmes. Mais marché, ça n'a pas marché. Mais ouais, facilement. Mais toi, tu l'as eu facile. Ah non, pour des raisons, mais. Ah, parce que tu sais prier. Hein? C'est l'amour de Dieu. Ce que tu as fait pour le réjouir. Ce qui est cher. Ce qui est cher. Mais il bon ne prends pas ce qui appartient à autrui pour donner à Dieu. Maintenant, offrande big bleu. Ne donne pas des offrandes qui ne sont pas dignes. Mais nous tchons, nous mais donne ce qui est digne. Ce qui est cher. Pour que Dieu puisse te faire ce qui est cher. Colossiens chapitre 3, verset 17. Colossiens chapitre 3, le verset 17. Prenons nos Bibles, nous allons lire. L'apôtre Paul a dit quelque chose. Nous allons. Se lire ainsi. Et quoi que vous fassiez. Nous débouler en parole ou en œuvre. Donc Romain et alors ou alors mais. Faites tout au nom du Seigneur Jésus. Mais nous blâmons les bidons à clou nos Jésus si nous comme. En rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Bon ayez mais on mais nous blâmons coup d'idolâtre nous m'autant. Amen. Amen. Nous débouler mais nous blâmons Rodi demain. Tout ce que vous allez faire en parole. C'est-à-dire tout ce qui sortira de votre bouche. Les paroles de ta bouche. Les œuvres de ta main. Faites tout au nom de Jésus. Et fais des actions de grâce. Fais des actions de grâce. Fais des actions de grâce. L'apôtre Paul parlait ainsi. Les disciples savaient faire l'action de grâce. Bon, nous n'aimons pas le pouvoir. Ce que chacun a, on l'amène pour faire l'action de grâce. Est-ce que tu fais l'action de grâce à Dieu? Si tu n'as pas l'habitude, donc commence par le faire. Toi qui nous suis, n'importe où tu es, tu peux faire l'action de grâce. Fais l'action de grâce. Dieu fera quelque chose aussi pour te montrer qu'il est fidèle dans sa parole. Que le Seigneur bénisse sa parole. Acclame la parole. Tu vas prier, tu diras mon père. Lève-toi, nous allons prier. Le peuple de Dieu a offensé Dieu. N'avions jamais fait d'action de grâce. Nous allons faire l'action de grâce aujourd'hui. Comment allons-nous faire? Nous allons commencer par l'action de grâce verbale. Nous mettons. Verbal. Mais bleu aussi nous mettons. Dans le fait de notre bouche. Tu vas dire merci à Dieu pour toute l'année. Si vous venez Dieu car j'ai payé. Depuis que Dieu est là jusqu'à présent. Nous n'avons pas de mal bleu là. Les grandes choses que Dieu a opérées. Nous n'avons pas de ce dans quoi il t'a sauvé. Prison là, cobalé, prison les couler. Problèmes, les maladies. En route blanc sous tu vas crier vers lui. Merci Seigneur. Merci pour ma vie. Je ne suis pas parti mais je vis. Et à coude. Sukariaba,
Ce matin, nous sommes reconnaissants pour tout ce que tu as fait pour nous, pour la délivrance que tu nous as donnée, pour le salut que tu nous as donné, pour ta protection sur nos vies. Seigneur, nous te disons merci. Nous avions été ingrats avec toi. Ce matin, nous sommes reconnaissants. Nous avons su et compris maintenant que tu es le seul digne d'adorer. Que tu es le seul qui nous a protégés. Oh Seigneur, merci. Seigneur, merci. Dans nos foyers. Personne n'a manqué dans nos foyers. Nous n'avons pas connu des accidents mortels. Nous n'avons pas connu des accidents mortels. Seigneur, nous te disons merci. Papa, nous te disons merci. Roi des rois, merci. Seigneur merci. Pendant toute l'année, tu nous as conduit. Tu nous as épargné des maladies mortelles. Seigneur, nous te disons merci. Tu nous as délivré de la peste. Tu nous as délivré de la virus. Seigneur, nous te célébrons. Nous t'adorons, Seigneur. Qu'est-ce que tu as dit? Merci ce matin. Grâce à toi, Père. Donc, Jésus, c'est comme une chorale. Nous avons prié au nom de Jésus. Mais là, tu es titillé dans nous. C'était comme des morts debout. Il y en a, je veux de l'argent. Un sorcier meurt. Tu peux dire merci à Dieu de va ouvrir les chemins et tuer les sorciers aussi. Tu vas donner gloire à Dieu. Tout le monde veut vivre, mais ils ne sont pas vivants. Tu vas prier maintenant. C'est de la grâce pour mon foyer. Pour ma vie. Pour mon commerce. Pour mon aller-retour. Ouvre ta bouche et dis merci. Ce matin, merci pour la santé que tu nous as donnée.
Seigneur, merci pour la santé. Seigneur, merci pour ta faveur. Pour ta grâce qui est sur nous. Seigneur, merci. Pour ta compassion. Seigneur, merci. Pour la délivrance de ton peuple. Merci pour les exaucements de prière. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour ce que tu feras. Merci pour ce que tu continues à faire. Seigneur, merci. Pour ta protection. Pour ta protection. Pour la santé que tu nous as donnée. Oh, béni soit ton appel. Gloire à ton appel. Élévation à ton appel. Bénédiction à ton appel. Père, reçois l'honneur. Seigneur, reçois l'honneur. Action de grâce à toi. 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 Tout ce que tu fais. Nous avons prié le nom de Jésus. Écoutez-moi. Nous avons fait l'action de grâce à Dieu. Donc, pour la vie de l'homme de Dieu. Yes. Pour la vie de l'homme de Dieu. Well, tout le monde entier. Écoute ce que nous disons. Well, et ce que je dis. Je combats les forces des ténèbres. Togo, Gabon. Dans tout le monde entier. Nous allons rendre grâce à Dieu pour la vie de l'homme de Dieu. Et il est encore vivant. Les enfants sont bien portants. Ma femme est bien portante. Tu vas dire Seigneur merci pour la vie de l'homme de Dieu. Je dis merci pour sa vie. Ouvre ta bouche et dis merci. Tous les jours, pour la protection qui est sur son foyer, pour la protection, sa santé qui est sur son jour. Seigneur, nous te disons merci. Seigneur, nous te disons merci. Seigneur, merci pour ta vie. Seigneur, reçois l'honneur. Seigneur, reçois l'honneur. Seigneur, reçois l'honneur. Pour te bénir, papa. Pour sa vie, pour son foyer. La santé parfaite que tu lui as accordée. La santé que tu lui as accordée. La vie que tu lui as accordée. Seigneur, merci Seigneur. Le Dieu, c'est comme il faut d'aller. Amen. Dans le nom de Jésus. Nous allons rendre grâce pour la vie du membre du comité et tous les fidèles de l'église. Dans certaines églises. Et nous comptons dire. On enterre les devanciers. On enterre les fidèles. Les ouvriers, on les enterre aussi. Ce n'est pas la force. Ce n'est pas que nous sommes forts. Nous ne sommes pas justes. Mais la grâce de Dieu est sur l'église. Nous allons dire merci à Dieu. Des devanciers jusque tous les fidèles. Ouvre ta bouche et dis-lui merci. Le massacre.
Merci pour ta protection. Vous avez veillé sur le comité d'organisation. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Merci parce que tu as veillé sur le peuple. Merci parce que tu as veillé sur nous. Merci pour ta protection. Toi qui nous as épargné de la cité mortelle. Toi qui nous as gardé jusqu'à présent. Seigneur, nous te magnifions. Seigneur, nous te disons merci. Action de grâce à toi. Action de grâce à toi. Action de grâce à toi. Reçois l'honneur. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Nous te magnifions. Nous te célébrons. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Foyer se porte bien. Nos enfants se portent bien. Nous avons prié au nom de Jésus. Assieds-toi. Tu vas prier, tu diras mon père.